Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans la leçon numéro 12, nous allons voir la particule « né ». Rappelons-nous, dans la dernière leçon, j'avais dit la phrase suivante. Aujourd'hui, il fait beau, n'est-ce pas ? Kyo wa itaki desu ne. Mais étudions la particule de fin « né ». Cette particule peut être utilisée pour deux raisons. Le cas 1, c'est lorsqu'on exprime une légère exclamation. On pourra dire « c'est un livre cher ». Takai hon desu ne. Le cas numéro 2 est celui qui est le plus courant. La particule « né » s'emploie lorsque l'on attend l'approbation ou le consentement de son interlocuteur sur le contenu de l'énoncé. Cette particule « né » signifie en mode poli « n'est-ce pas ?» ou en mode moins poli « hein ». En langage soutenu, on appelle cela une prosodie. Cela est souvent utilisé dans le ton, l'intonation, l'intensité ou l'accent. En général, lorsque vous entendez une phrase finissant par « né », le locuteur attend toujours une réponse de l'interlocuteur. Très souvent, on aura comme réponse « so desu ka ?» interrogatif, selon on verra plus tard, « so desu ne ?» ce qui valide ce que la personne a dit, ou « so desu yo ?» ce qui confirme et affirme ce que la personne a dit. Là aussi, on verra cette particule plus tard. Toutes ces expressions sont typiquement japonaises. Donc pour finir, on pourra dire « takai desu ne ?» et la personne pourra répondre « so desu ne ?» qui signifie « oui, c'est vrai ». Voilà, je n'en dirai pas plus sur la particule née, c'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo portera sur la particule no. Rappelez-vous, la dernière fois, je disais Watashi no namae wa Jean-Michel Odes, donc mon prénom est Jean-Michel. Le Watashi no, c'est bien un adjectif possessif. On pourra dire par exemple, c'est une montre en or. Et dans ces cas-là, il faudra attacher avec cette particule no les deux noms, montre et or. Mais nous verrons cela dans la prochaine leçon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Jamatane !